Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Lors du sommet quadripartite de Luanda tenu hier mardi, les parties prenantes se sont déclarées préoccupées par la situation d'insécurité et humanitaire qui prévaut en RDC avec la persistance des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui occupe des zones prétendument cédées aux troupes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi dans le Nord Kivu. Le sommet exige le retrait immédiat et inconditionnel de tous les groupes armés, en particulier les M23, ainsi que les ADF et les FDLR, et pour le non-respect par le M23 de se retirer des territoires occupés, comme indiqué dans la feuille de route de Luanda du 23 novembre 2022, et appelle à la mise en place des couloirs humanitaires pour faciliter l'aide humanitaire. Ce sommet a martelé sur la nécessité de restaurer l'autorité de l'État dans les parties occupées de l'Est de la RDC afin de créer un environnement propice au retour des réfugiés et des personnes déplacées, de permettre des élections pacifiques dans ces zones.